c'est une énorme fierté. Recevoir le maillot jaune. Demain, en même temps, monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, la transition. Pour moi, c'est un symbole très fort parce que le tour a porté cette année le nom autour de la résilience. Vraiment, que ce soit un Burkinabé qui remporte dans ces conditions-là, je pense qu'on a pu honorer de la plus belle des manières le travail que ce grand monsieur a commencé. Il a amené la paix au Faso. Vraiment, on est très soulagés d'en avoir terminé. C'est une bonne note. C'était très compliqué psychologiquement et physiquement de tenir le maillot de bout en bout. Maintenant, nous allons passer. Je pense qu'on a fait assez preuve de combativité avec les victoires d'étape et la conservation du maillot jaune. Du Boro, on est quand même très content. On va demander à toute la rue que c'est la Magic League de Boro. Ouais, c'est vrai que ça faisait partie de mes gros et nos invitants. Achetant quand on dormit. Cette case. Dormir, prenez les Africains. Les titres continentaux. J'espère que ce tour va marquer un tour. Souvenir. Les Boubous, s'il vous plaît. D'aller, par exemple, en Europe ou des trucs comme ça. C'est une énorme fierté. La Soulabi. Recevoir le maillot jaune. Demain, en même temps. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, la transition. Pour moi, c'est un symbole très fort parce que le tour a porté cette année le nom autour de la résilience. Vraiment, que ce soit un Burkinabé qui remporte dans ces conditions-là. Je pense qu'on a pu honorer de la plus belle des manières le travail que nous faisons. Que ce grand monsieur a commencé, il a amené la paix au Faso. Il ne fallait pas qu'on reste les bras croisés. C'est ainsi pour lui montrer que la population est derrière lui. L'ensemble des sportifs également est derrière lui. Donc, vraiment, il a apporté une belle dynamique. Je pense que cette dynamique qui nous a été positive pour le maillot jaune. C'est très spécial, c'est un sentiment très spécial, notamment pour un Burkinabé. C'est le summum d'une carrière pour un Burkinabé. On est allé en 2023, en plus, on a remporté le championnat national au mois de juin. C'est vraiment, on peut dire, la plus belle de mes saisons jusqu'à présent. Vous invitons le secrétaire général de la région puissante. C'est compliqué à dire parce qu'on savait qu'on s'est fait attaquer tous les jours. Donc, vraiment, ça a été difficile. On s'est concentré, mais à aucun moment, on n'a pu se reposer en se disant que le maillot jaune était acquis. Voilà,